Il sait que la flamme ne durera pas toujours. Le croyant avance en pensant qu'il y a une porte au bout du tunnel qui s'ouvrira sur la lumière. L'athée sait qu'il n'y a pas de porte, qu'il n'y a d'autre lumière que celle-là même de son industrie à lui, qu'il n'y a d'autre fin au tunnel que sa propre fin à lui. Alors, nécessairement, ça lui fait plus mal quand il se cogne au mur. Ça lui fait plus vite quand il perd un enfant. Ça lui est plus dur de se comporter proprement. Et il le fait. Il trouve la nuit terrible, impitoyable. Mais il avance. Et la douleur devient plus douloureuse. La peur plus peureuse. La mort définitive. Et la vie n'apparaît plus que comme une maladie mortelle. Votre athée n'est qu'un homme désespéré. Je sais l'autre nom du désespoir, le courage. L'athée n'a plus d'illusions. Il les a toutes troquées contre le courage. Qu'est-ce qu'il gagne ?